Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Monsieur Clavicule pour le cinquième épisode de notre série documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie, cinquième interview. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu ce documentaire sur l'avenir de l'ostéopathie, je vous le remets là. C'est un documentaire d'une heure et quart avec de nombreux intervenants. N'hésitez pas à aller le voir avant ou après cet entretien. Aujourd'hui, on va accueillir... Raphaël Zegara Parodi. Il est d'origine française et péruvienne et il exerce depuis 27 ans en tant qu'ostéopathe et depuis 1999 à Paris. Raphaël est fortement engagé dans la formation et la recherche en ostéopathie avec 31 articles publiés. Depuis 2014, il est chercheur affilié à l'Andrew Taylor Steel Research Institute à Kirksville, aux USA, la première école d'ostéopathie au monde fondée par Andrew Taylor Steele après avoir occupé un poste de chercheur à temps plein de 2012 à 2014. Il a également côtoyé de nombreux hommes médecine Femme médecine issue des tribus autochtones amérindiennes où les représentations du corps, tant dans la santé que dans la maladie, diffèrent de la vision occidentale. Raphaël est également le cofondateur de BMS Formation, un organisme français de formation continue professionnelle qui promeut des approches EBP et culturellement sensibles. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'héritage culturel autochtone en ostéopathie, introduit par Andrew Taylor Steele et réintégré par la profession aux USA en 2002 lors de la dernière mise à jour de nos principes. Dans cet entretien, nous allons aborder de manière critique et argumentée, en nous appuyant sur les articles publiés par Raphaël, comment la diversité des croyances socioculturelles peut influencer la compréhension de la dimension non physique du corps dans la santé, la maladie et les thérapies manuelles, afin de proposer de nouveaux modèles de pratique en ostéopathie. Tout un programme. Voilà, je peux déjà vous dire que c'est un épisode passionnant, 41 minutes d'entretien avec Raphaël, donc je vous laisse le regarder en mode podcast, en l'écoutant dans la voiture ou en le regardant tranquillement chez vous, et je vous reprends juste après. Quel était le sujet de tes recherches à l'Andrew Taylor Steele Research Institute à Kirksville Alors merci pour cette question parce que c'est vrai que la recherche en ostéopathie c'est quelque chose qui fait vraiment débat. Donc moi j'ai eu un contrat effectivement de deux ans en tant que chercheur à temps plein et mon sujet de recherche était principalement les variations du flux sanguin après des manipulations. Et je dirais que c'est un petit peu ça qui a construit mes réflexions sur ce que l'on fait actuellement parce que globalement on s'est aperçu que d'un point de vue physiologique, on pouvait faire des techniques très spécifiques, mais la réponse, elle était à chaque fois globale, elle était systémique. Donc, toutes les modernes ostéopathiques qu'on nous avait appris où il fallait être extrêmement spécifique sur une articulation, sur une facette pour initier ce type de, de réaction, eh ben, tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait la physiologie pour, euh, pour le faire et ensuite il y a eu d'autres études qui ont été faites par la suite au niveau clinique où on s'aperçoit pareil que ce qu'on appelle placebo ou ce qu'on appelle une vraie technique physiologiquement le patient va pas faire la différence en revanche c'est tout le discours qui va à côté en fait donc c'est pour ça que tout notre travail maintenant il s'oriente plus vers les neurosciences de la douleur sur les neurosciences des perceptions comment les personnes vont pouvoir comprendre ce qui se passe euh, dans leur propre corps. Et ça, c'est largement influencé par les croyances socio-culturelles euh, en santé. Alors, moi, j'ai eu un petit peu une double casquette puisque je suis et français et péruvien. Et à Kirksville, c'est vrai qu'il y a le principal centre de recherche en ostéopathie au monde, still Research Institute. Et à quelques dizaines de mètres, il y a le musée de l'ostéopathie qui est dirigé par Jason Exton. Et ça, c'est vraiment cette, cette dualité qui m'a vraiment euh, beaucoup passionné quand, quand j'habitais à Kirksville. Et il y a quelque chose, il y a une aile nouvelle dans le musée de l'ostéopathie, donc j'invite euh, ce, 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 les personnes qui vont euh, visionner cette vidéo à aller regarder, faire un tour. Il y a toute une aile qui est consacrée à la période amérindienne d'Andrew Taylor Steele. Et c'est un petit peu le, le point de départ de, aussi de travail que l'on fait actuellement sur le body-mind-spirit. Qu'est-ce que c'est que ce principe ostéopathique qui a été réintroduit par la profession aux États-Unis en 2002, mais qui est un principe, le Body, Mind, Spirit, Emotion, c'est un principe de base des soins traditionnels de médecine euh, amérindienne. Donc la façon dont on perçoit l'ostéopathie, dont on la décrit en ce moment, c'est la juxtaposition, le lieu de rencontre entre des principes traditionnels amérindiens et des principes occidentaux bio, biomédicaux. Autre chose aussi, parce que j'imagine qu'à un moment on va parler d'Evidence-Based Practice. Evidence-Based Practice, on a tendance à se focaliser uniquement sur la partie scientifique. Quelles sont les données scientifiques Alors, Il faut savoir qu'il y, y, y a trois piliers. Il y a l'expérience du praticien et il y a surtout les attentes et les valeurs des patients. Et les attentes et les valeurs des patients, elles peuvent être, on va dire, plus d'origine occidentale, dans le sens où on va voir quelqu'un seulement quand il y a une douleur et l'objectif c'est de ne plus avoir mal. Mais il y a d'autres cultures. Où on va aller voir un praticien sans forcément qu'il y ait de symptômes, parce qu'il y a eu des événements bien particuliers qui se sont produits dans, 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 dans leur vie. Et donc, c'était un petit peu, la difficulté, c'était un petit peu de mettre de l'ordre dans, dans tout ça. Donc, ce qu'on a développé un petit peu comme modèle, c'est de bien distinguer. Alors, la langue anglaise est très, très riche pour ça, puisque nous, on n'a qu'un seul mot pour maladie, mais eux, ils en ont plusieurs. Et on distingue bien la partie illness de la partie disease. Ça, ça date du rapport Flexner en 1910 qui a cadré l'enseignement de la médecine aux États-Unis. Ça a diffusé partout dans le monde occidental. Et à partir de 1910, avec ce rapport Flexner, on a décidé que l'enseignement de, de, de la médecine se ferait sur ce modèle biomédical, sur la physiologie, sur la biologie, ce qui peut être mesuré, objectivé. Et donc tout ce qui est l'expérience, le ressenti du patient bah, c'était mis de côté. Donc, la médecine a évolué de façon extrêmement technique, extrêmement scientifique, et c'est super. Il y a l'expérience de vie, elle a, 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 a grandi, on a soigné, il y a des maladies qui ont disparu, c'est fantastique. Maintenant, les patients ont changé. C'est plus des douleurs chroniques, c'est plus euh, des pathologies qui sont liées à, au manque d'activité, à surconsommation. Et donc ce modèle-là basé simplement sur la partie euh, biologique, il suffit plus à répondre, complètement aux demandes de nos patients d'aujourd'hui, surtout ceux qui viennent avec des problèmes musculo-squelettiques. Donc cette partie illness, quelle est l'expérience vécue de la maladie Bah la médecine contemporaine, elle est assez limitée ou en tout cas, c'est à peu près la moitié des motifs de consultation en rhumatologie. Et c'est là où des euh, d'autres une profession en fait comme l'ostéopathie pour moi elles ont toutes leur place c'est le courant traditionnel qui a fait la renommée de l'ostéopathie en france pourquoi vouloir une évolution vers une pratique plus scientifique l'ostéopathie s'est développée il n'y avait pas l'evidence based medicine et pourtant ça a vécu très bien donc maintenant il y a un problème qui est spécifique à la france c'est à dire expliquez nous ce que vous faites mais quand on parle de science on va parler simplement de la science du modèle qui est référent le biomédical donc si on essaye de montrer que les os du crâne bougent ou si on essaye de montrer qu'il se passe quelque chose au niveau viscéral, tous ceux qui ont essayé, ils sont pas arrivés. Donc, est-ce pour autant parce que on, on considère que ça sous l'angle de la maladie disease? Mesurez-moi ce qui se passe. Or, le plus important, c'est pas forcément ce qu'on peut mesurer, c'est ce que perçoivent les patients. Et il y a des patients qui sont améliorés avec des techniques crâniennes, avec des techniques viscérales, des choses dont les modèles sont contredits par la maladie d'Isis, qu'on peut pas objectiver, mais ces patients vont mieux. Donc, tout le travail que l'on fait, nous, c'est comment essayer d'un point de vue éthique, parce que sinon, on raconte tout, n'importe quoi à n'importe qui, et c'est pas sérieux. Euh, et surtout, voilà, en France, c'est bac plus 5, c'est une première intention, donc il y a des obligations également, et il existe des questionnaires, euh, qui sont validés pour décrire euh, la, la perception des patients pendant des traitements crâniens. Il existe des questionnaires également pour décrire ce que perçoivent les, les praticiens pendant qu'ils font ces types de techniques. Donc notre travail, nous, ce qu'on est allé chercher, c'est quels sont les modèles les plus appropriés pour euh, décrire justement ces différentes perceptions. Et c'est pour ça qu'on appelle ça euh, notre révolution, parce que c'est un retour au point de départ de l'ostéopathie avec Steele et les Amérindiens. Parce que c'est surtout les modèles euh, pour les médecines psychédéliques qui utilisent euh, des, qui ont développé des modèles bien précis sur la, la variation des perceptions euh, au niveau du corps cette altération, ces modifications entre l'interoception, la proprioception et l'extéroception, c'est très bien décrit. Et je pense qu'en ostéopathie, avec certains types de techniques, notamment les techniques manuelles, ostéopathie crânienne, ostéopathie viscérale, en fait, c'est un toucher qui est différent des autres. C'est un toucher long, constant, et ça, c'est directement connecté avec les voies interoceptives. Donc, l'hypothèse qu'on formule, euh, avec ce rationnel, cette justification scientifique, c'est que sur certains patients qui seraient prédisposés à recevoir ce type de traitement, sur certains patients qui auraient ces croyances socioculturelles en santé spécifique qui seraient non occidentales, eh ben, ces personnes seraient plus susceptibles de répondre à ce type de technique. Donc l'idée, c'est plus que de chercher à une quelque chose euh, pour le coup de révolutionnaire mais dans le mauvais sens du terme qui dirait voilà l'appareil qui permet de mesurer ce qu'il fait ça on retomberait dans les mêmes travers en fait que la médecine actuelle c'est-à-dire qu'on pourrait avoir des choses qu'on peut très bien décrites mais décrire d'un point de vue scientifique mais qui répondraient pas du tout aux demandes des, des patients donc on, on, on s'oriente plus là-dessus nous sur euh, voilà quelle est l'expérience vécue des patients pendant un traitement Ostéopathique, et il y a des outils pour le faire. Donc, c'est de la science, mais c'est pas la science biomédicale qui est attendue de nous. Et c'est un, un petit peu la, la cause des, des, des différentes opinions que tu as pu avoir, j'imagine, avec les collègues que tu as pu, euh, euh, que tu as pu interviewer. C'est-à-dire, il y a un modèle référent qui est le modèle euh, biomédical. Et en gros, il y a une double contrainte pour nous, ostéopathes. C'est que, en fait, il y a un filtre soit en fait ce qu'on propose de différents en ostéopathie ça passe ce filtre donc par définition bah, ça devient du modèle mainstream ou alors ça reste en dehors et donc on est considéré comme pseudosciences, euh, dérives thérapeutiques. Donc moi je pense qu'entre les deux il peut y avoir, on est en train de construire un espace pour essayer de dire euh, euh, oui on n'est on pas dans de la maladie disease avec des modifications de la biologie, on est plus de la maladie illness, les patients vont pas bien et il y a certains qui vont mieux avec des techniques, qu'on est capable de décrire, qu'on est capable d'enseigner, qui ont, qui existent depuis euh, depuis toujours. Parce que si on va un petit peu plus dans euh, les médecines traditionnelles, vous verrez qu'il y a beaucoup de, de traditions, de, de, de groupes de personnes qui soignaient déjà. Donc, peut-être pour mieux comprendre, aller au musée du Quai Branly, par exemple. Il va y avoir une super exposition d'ici peu de temps euh, qui a été coécrite avec euh, notre ami et collègue. Euh, David Dupuis, anthropologue, qui a coécrit notre dernier article, euh, qui vous retrouvez dans PubMed, sur justement cet aspect anthropologique, et il va parler de, de l'art dans les, et de la, des traditions de soins dans les peuples d'Amazonie péruvienne, un peu, mon, un, un, un de mes, un de mes, un de mes chez moi. Donc, l'idée un petit peu de ce que, ce que j'aimerais vraiment faire, euh, passer comme message, c'est d'essayer de bien contextualiser les, les informations, c'est-à-dire sur l'evidence-based practice, oui, mais il n'y a pas que la science. Sur les principes de l'ostéopathie, oui, mais ça existait avant qu'il y ait l'evidence-based practice. Et donc, le plus important, c'est répondre aux demandes de nos, de nos, de nos patients. Alors, il y a d'autres pays où ça est, c'est en train d'être réglementé, où je dirais où ou en tout cas, l'ostéopathie est une profession de santé. Donc moi, j'ai travaillé aussi en Angleterre et la liberté, entre guillemets, que l'on a en ce moment de pouvoir proposer un petit peu tout ce qu'on veut parce qu'on n'a pas de compte à rendre à un ordre professionnel. Bah, nos confrères anglais ne l'ont plus, cette liberté. Et donc, quand on enseigne en université, bah, tout ce qui doit être enseigné doit être euh, validé par le modèle dominant. Donc, c'est pour ça que petit à petit, L'ostéopathie crânienne, bah, elle a été, au lieu qu'on l'enseigne avant le diplôme, elle bah, s'est enseignée après le diplôme, ce qui fait que dans le diplôme, il y a des choses qui sont un, quelques, des pratiques qui sont communes à, à tous les autres professionnels de santé. Donc en fait en Angleterre, vous avez des physiothérapeutes, des chiropraticiens, des ostéopathes, ces niveaux master, à qui on demande d'appliquer les mêmes euh, recommandations de bonnes pratiques, à qui on demande de lire les mêmes articles et qui reçoivent, les mêmes, qui reçoivent les mêmes patients. Donc la, la logique, c'est de réfléchir, c'est ce, ce qui est en train de se passer en fait, de réfléchir à un corpus commun qui est basé sur musculosquelettique, et puis après, chaque groupe pourrait faire des choses un petit peu euh, différentes. Je le décris. Parce que je connais le contexte anglais, euh, des personnes qui ne connaîtraient pas ce contexte pourraient dire bah, on enlève certaines choses ou on retire certaines choses, etc. Donc, il euh, faut toujours, pareil, repenser dans le contexte du médico-social, universitaire, du pays qui est différent. L'Angleterre, c'est pas loin, mais c'est pas comme ça que ça, que ça fonctionne. Euh, notre système de santé en France est, euh, est différent. Donc l'avantage, effectivement, c'est que c'est une profession de santé. Et donc c'est reconnu, c'est un enseignement universitaire, il n'y a plus toutes les contraintes, tous les problèmes qu'on peut avoir nous en France. Mais en contrepartie, bah, il y a certaines choses qui ne sont plus faites. Et moi, je, je vois que de toute façon, il y a des patients qui auront toujours besoin d'avoir des types de techniques où quelqu'un va raconter un discours qui est différent. Elle va mettre les mains à des endroits que les autres personnes n'utilisent pas, et donc autant le conserver en ostéopathie, je dirais pas parce que je suis ostéopathe, mais juste pour protéger les patients, parce qu'au moins en France, les ostéopathes sont formés en BAC plus 5, c'est un titre qui est, qui est protégé, on apprend les diagnostics différentiels, à savoir référer, et ensuite, on peut prendre en charge ces différents patients. Donc là, c'est beaucoup plus sûr que de dire à partir de maintenant en ostéopathie on va éviter de faire ce type de technique. Et donc les patients, de toute façon, ils iront voir quelqu'un d'autre qui est pas forcément aussi bien formé et qui, d'un point de vue éthique, peuvent euh, peut y avoir des pertes de chance ou raconter n'importe quoi avec des effets euh, nocebo. Y a-t-il plusieurs types de sciences Mon approche est toujours la plus pragmatique possible. Les ostéopathes, pour l'instant, font des techniques dont les modèles sont contredits par la science. Et nous, ce qu'on apporte avec notre travail, c'est de réfléchir à des modèles différents qui sont validés par la science, mais par les sciences, on va dire ça comme ça, pas uniquement par la science biomédicale occidentale, mais d'autres types de sciences qui sont issues des médecines traditionnelles indigènes. Et ça fait complètement sens en ostéopathie parce que le fondateur, il était et médecin et homme médecine d'une tribu Shawnee. Donc, l'idée, c'est pas, c'est, c'est pas de, euh, d'inventer quelque chose de nouveau, c'est juste comprendre ce contexte historique, comment est née l'ostéopathie, Comment, au fur et à mesure, ça s'est transmis de génération en génération. Comment ça s'est développé de façon différente dans différents pays, parce que le contexte culturel est différent, parce que la santé est, est différente. Et donc, comment est-ce que nous, en France, on a nos propres spécificités. On a la chance d'avoir un, un pays magnifique où, en plus, c'est là où il y a le plus d'ostéopathies, euh, d'ostéopathes euh, par habitant. Donc il y a une demande. Donc le tout et, et les ostéopathes eux-mêmes tous sont, sont demandeurs de ce type d'avoir une approche euh, éthique et, euh, et, et je pense que il euh, y avait euh, un, un point entre des potentielles oppositions entre des personnes qui verraient que de levidence based practice et d'autres personnes qui verraient que des aspects plus traditionnels. Moi plutôt que d'opposer les uns aux autres, on voit en fait on voit des, des ostéopathes qui ont reçu la même formation et qui veulent aider les patients du mieux qu'ils peuvent en fonction de leur propre système de croyance. Donc la seule chose que nous on demande, que nous on propose, c'est de faire les choses différemment. En fait. C'est-à-dire plutôt que ce soit les ostéopathes qui disent moi je fais ci, moi je fais ça c'est qu'est-ce qu'il demande le patient parce que si c'est un patient qui demande, qui vient voir pour une douleur musculo-squelettique, l'objectif c'est d'avoir moins mal, bah, dans mon cabinet, je ne vais pas faire des choses qui vont beaucoup di se différencier de ce que peut faire un physiothérapeute ou un chiropracteur. Les guides de bonne pratique, je les connais, il n'y a aucun problème. Euh, on sait que c'est la, la partie active qui est importante, donc je réfère à des, à des, à des kinés. Mais il y a d'autres patients qui viennent, qui n'ont pas de motif de consultation, qui, et, et l'approche musculo-squelettique, c'est... Un tout parmi d'autres choses qui peuvent faire pour améliorer leur état de santé. Et ça, cette approche evidence-based practice, elle peut pas répondre à ce type de demande. C'est pas le plus adapté. En revanche, il y a certains narratifs, euh, il, y a un, il y a certains types de techniques qui vont mieux répondre à ce type de, ce type de demande. Et ça, on l'a formalisé dans notre dernier article sur le cadre conceptuel qui définit qui est un, un outil d'aide à la prise de décision clinique. Et, et de, plutôt que de, de mettre des cadres, quand j'ai ça, je fais ça, c'est voilà un petit peu quels sont les narratifs, quelles sont les techniques, quelles sont les approches qui vont plus faire sens par rapport à la demande de mon patient. Et ça, c'est largement influencé par euh, cette, euh, ces croyances socioculturelles en santé. J'ai utilisé ce mot plusieurs fois, peut-être pour le mieux le comprendre. Croire que le corps est capable de s'auto-guérir et l'utiliser dans, dans un cadre de soins, pour l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes en France, c'est un caractère distinctif d'une dérive thérapeutique depuis 2016. Et dans le même temps, ce document officiel de l'OMS, c'est ce qui permet de définir une médecine. Traditionnelle, complémentaires et alternative. Donc, on voit bien que le même mot, la même croyance, elle peut être interprétée de façon complètement différente. Encore une fois, on est en France, il y a des lois, il y a des approches, il y a un modèle dominant, mais il y a des façons d'expliquer euh, de façon plus rationnelle ce que l'on fait. Les croire que le corps est capable de s'auto-guérir, si on est capable de le cadrer, si on est capable de bien le définir, ben, ça peut être hein, quelque chose qui. Peut euh, orienter certains types de techniques aujourd'hui contredites euh, par la science. Donc, en fait, un petit peu pour résumer, est-ce qu'on a envie que tout le monde fasse la même chose ou pas euh, Ça rassurerait peut-être beaucoup de collègues, surtout ceux qui sont dans le monde académique, ceux qui sont dans le monde syndical associatif pour nous représenter. Oui, mais ça correspond pas à ce que demandent les, les patients. Donc. Euh, voilà un petit peu ma vision pour le futur de l'ostéopathie. Donc, si on se recentrait plus sur quelles sont les demandes des patients et de bien considérer qu'il y a des domaines qui sont des, des demandes qui sont influencées par le modèle occidental et d'autres demandes qui sont plus influencées par des, des modèles, des approches de médecine traditionnelle indigène. Bah, déjà, on, on, on dialogue plus facilement. Peux-tu nous parler de l'importance de l'EBP? En ostéopathie Sur cet aspect de, de evidence based practice, de l'importance de levidence based practice, je pense que ce qui se passe, c'est que et qui, est, qui est nouveau en fait, c'est que l'ostéopathie est devenue populaire, c'est reconnu, il y a plein d'enquêtes de, 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 qui montrent que c'est vraiment apprécié par les patients. Et donc, c'est cinq ans d'études après le bac, c'est autour de 45-50 000 euros, donc c'est un investissement qui est lourd. Avec derrière pas forcément la reconnaissance euh, du point de vue scientifique et du point de vue académique. Donc les, les étudiants qui arrivent, alors moi je n'enseigne plus dans les écoles euh, d'ostéopathie, mais majoritairement et, et puis c'est vraiment très très inégal, mais majoritairement en fait on leur apprend très peu l'analyse euh, critique et quand ils ont leur diplôme ils sont confrontés à la, à la réalité. Et ensuite, c'est l'expérience de H, qui est vraiment très connue dans le monde de la psychologie. C'est une expérience qui parle sur le, la conformité sociale. C'est-à-dire qu'on a tous envie d'être inclus dans un groupe. On n'a pas envie d'être mis en dehors. Euh, bon alors, quand on fait de la recherche, vaut mieux. Pas être trop susceptible. Donc, moi, ce n'est pas un problème, mais la majorité euh, ont envie d'être à conformité. Donc, quel est le langage scientifique Le langage, c'est le langage scientifique, c'est le langage de l'Evidence-Based Practice. Donc, pour être inclus dans le groupe de personnes qui font plus de l'analyse critique, bah, c'est là où on voit paradoxalement de plus en plus en Angleterre euh, et beaucoup en France aussi d'ostéopathes diplômés qui vont désinguer. Les principes et les pratiques historiques de l'ostéopathie, parce qu'à aucun moment on n'en aura parlé pendant leurs études. Euh, donc, notre travail, il est là de dire effectivement, si vous n'utilisez qu'un qu seul prisme, le prisme de l'Evidence-Based Practice, mais avec la science occidentale, mais c'est évident que vous, vous, vous allez rejeter d'autres choses. Donc, maintenant, si on utilise ça avec d'autres sciences, les sciences qui sont utilisées euh, pour. Euh, d'écrire ce que font euh, des guérisseurs, les médecines traditionnelles euh, autochtones, et il y a plein d'études à l'IRM fonctionnelle, il y a plein de questionnaires euh, qui sont faits. Donc c'est des choses. Je, je pense qu'on qu peut changer la vie de ces personnes. Les personnes seraient. Euh, euh, c'est quelque chose que je peux ajouter également parce que hier au Sénat euh, j'étais invité parce qu'il y a la présentation du modèle NPIS sur les, euh, la méthodologie non pharmacologique de toutes les interventions non pharmacologiques et il y a quelque chose qui a il y a un corpus qui semble se dessiner d'un point de vue scientifique et je suis très content que les ostéopathes soient inclus dedans également donc il y a de la science pour décrire les choses euh, différemment et en fait il y a beaucoup de science aussi par exemple pour décrire euh, l'influence de la lune sur la physiologie souvent c'est utilisé d'un point de vue euh, quand on connaît pas d'autres cultures il y a des mots dire que c'est un gourou, que c'est un chaman, que c'est un marabout, c'est de la médecine traditionnelle en fait. Et donc quand on ne la connaît pas, ça a souvent un caractère péjoratif. Donc c'est pour ça que quand on a commencé à dire que Steele était aussi chaman, je peux te dire qu'il y a beaucoup de portes qui se sont fermées. Mais encore une fois, le but c'est savoir ce lien historique, on le contextualise c'est impossible. Il y avait, la médecine n'était pas du tout celle qu'elle était il y a, euh, aux, aux états unis par rapport à ce que ça... Il faut vraiment contextualiser. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui peuvent être, en ostéopathie, qui peuvent être beaucoup mieux expliquées par des modèles scientifiques utilisés pour décrire ce que font les médecines traditionnelles autochtones. Donc, voilà notre... un petit peu comment, comment faire. Donc, evidence-based practice, c'est super, mais il faut lire aussi des articles de médecine ethnographique, d'anthropologie médicale, et vous verrez qu'il y a d'autres choses que simplement, effectivement, la rééducation de l'épaule, euh, etc. Ce qui est très bien, mais encore une fois, ça ne répond pas à toutes les demandes de tous les, de tous les patients, et ces patients, de toute façon, iront ailleurs. Donc nous, pour le coup, on est bien formés pour... Euh, gérer, ce type de, gérer ce type de demande. La seule chose qui manque, c'est des nouveaux modèles de pratique et c'est ce qu'on fait depuis 4 ans avec nos différentes publications. Et ce principe ostéopathique du body-mind-spirit, euh, avec cette partie spirit qui n'est pas expliquée du tout, et on parle de dimension existentielle en santé et il y a énormément de publications dessus. Donc ce qu'il faudrait dans les écoles d'ostéopathie, c'est orienter les données scientifiques évidemment sur la partie musculosquelettique, mais aussi regarder voilà la médecine euh, ethnographique, ce que font les autres et de faire un lien. Et je suis ravi parce qu'il y a des anthropologues maintenant qui interviennent dans des écoles d'ostéopathie et c'est et c'est très bien de comprendre qu'il y a d'autres personnes qui ont une un rapport à leur corps qui est différent d'une autre, et qui comprennent leur santé de façon différente et qui comprennent ce qui leur arrive, la maladie de façon complètement différente. Et si on se focalise simplement sur la partie musculo-squelettique, on va répondre à beaucoup de demandes, mais il y a d'autres personnes qui n'auront pas de, de réponse appropriée et qui vont aller chercher ailleurs. Donc ce qu'on propose, c'est simplement de vraiment s'assurer qu'on a bien répondu aux attentes et aux valeurs des patients. Et donc y compris avec de, des techniques crâniennes, des techniques viscérales, eh ben, on a une approche complètement evidence-based practice parce que même si les modèles... Sont contredits par la science, on peut construire d'autres modèles avec d'autres sciences issues d'autres cultures pour répondre au mieux à ces demandes des patients en France. Y a-t-il un conflit générationnel entre les jeunes ostéos obnubilés par la science et les anciens qui la rejettent Merci pour cette question, Nicolas. C'est vrai que peut-être contextualiser en fait. Encore une fois, l'Evidence-Based Practice, ça date de la fin des années 1980. Donc les ostéopathes que tu euh, évoques en fait ont été formés avant et quand ils, étaient, ils ont été formés soit directement comme ostéopathe soit comme kiné après à aucun moment il y a eu cette notion d'analyse critique de ce qu'ils faisaient parce que personne ne le faisait en santé donc il faut aussi remettre ça un petit peu euh, dans, le, dans le contexte donc l'idée ensuite c'est comment est-ce qu'on fait pour transmettre des compétences professionnelles d'une génération à l'autre, chacun fait du mieux qu'il peut et chacun fait en fonction de ce qui est disponible pour le moment. Donc, là où ça pose problème, c'est que c'est les enseignants d'aujourd'hui n'utilisent pas la science disponible aujourd'hui pour continuer à transmettre parce que c'est l'enseignement de toutes les professions de santé qui a qui a changé. Donc, ça aussi, on le voit aussi. On, en, on parle de petite, mais on le voit en médecine, on le voit aussi en, en kinésithérapie. Partout, c'est ces conflits de de génération. Donc c'est plus quel est le modèle mais euh, encore une fois ces jeunes ostéopathes je les invite à lire nos articles, je les invite à lire d'autres articles euh, euh, sur la science qui évalue les médecines traditionnelles et indigènes. Et ils verront qu'il y a plein de choses qui ressemblent à ces types de, ces types de, de pratiques. Je ne connais pas l'ostéopathie biodynamique, par exemple, mais j'ai interviewé Jane Starr, qui est la, la biographe de Sutherland, qui parle de grandes marées, de lignes, etc. Il euh, faut savoir juste que chez les Shipibo, chez moi en Amérique du Sud, dans l'Amazonie, ça fait 4000 ans qu'on parle de lignes blanches, par exemple, pour la fin des traitements. Donc il y a plein de choses qui, encore une fois, c'est contextualisé. Donc on a le, le, le cerveau fonctionne de façon différente, le corps réagit de façon différente en fonction des touchés. Que ce soit un toucher, on appelle ça plus des techniques proprioceptives, on va y avoir une mobilisation, des manipulations, du massage. Donc c'est câblé sur certaines zones au niveau du cerveau. Le toucher constant, léger plus, ça a mobilisé plus la partie interoceptive et c'est câblé sur d'autres zones, dont celles qui sont liées à la mémoire autobiographique. Donc on a accès à des choses qui sont différentes pour les personnes qui sont sensibles. Pratiquer uniquement des techniques validées par la science, n'est-ce pas un appauvrissement de l'ostéopathie Je voudrais essayer de décaler le débat de, de génération d'ostéopathes sur quelles les demandes des patients, des patients qui viennent avec des douleurs musculosquelettiques, on va pas commencer à leur raconter des choses dont ils n'ont pas envie d'entendre, mais d'autres personnes qui ont des douleurs physiques qui sont allées voir le kiné, qui sont allées voir le rhumatologue, qui ont toujours des douleurs et, et donc ils, ils vont aller voir des ostéopathes qui vont utiliser les mêmes choses qui ont déjà échoué avant. Donc avec le mode dans le modèle que l'on propose, c'est quel quel est le système de croyance de ce patient quel sens il donne à sa maladie, à ses symptômes, et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a déjà fait Et donc, pour le coup, c'est plutôt si c'est quelqu'un, par exemple, qui fait de la méditation aussi euh, 10-15 heures par semaine, son cerveau, il est câblé différemment déjà. Donc ça, c'est des choses importantes qu'on peut savoir. Et donc c'est quelqu'un qui va être beaucoup plus réceptif à des techniques. Euh, qui ce qu'on appelle de tissulaire, crânienne, viscérale. Nous on fait plus de différence d'un point de vue. Ce qui fait la différence c'est la localisation anatomique évidemment. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure euh, avec mes études à cœur on a dit quel que soit l'endroit où on va poser la main sur le corps, la réponse va être la même au niveau systémique. Donc qu'on pose la main sur la tête parce que ça fait plus science, sens, pardon, le lapsus. <laughs> ça fait plus sens pour le patient que qui a vu trois euh, personnes qui euh, ont touché le genou et la, la colonne lombaire et, et qu'il y a quelqu'un qui vient appuyer sur la tête, eh ben ça, ça va peut-être c'est peut-être ça qui va déclencher chez lui euh, des systèmes euh, placebo. On est des je ne vois plus dans cette approche là qu'on propose, je ne vois plus comme des super inducteurs de, de placebo et, et, et ce qui est une composante extrêmement importante des croyances socioculturelles. En santé, comment est-ce que la personne voit son corps? Est-ce qu'il y a des cultures où on a mal parce qu'on s'est mal comporté? parce qu'on a fait, c'est pas juste parce qu'on a levé la caisse un peu trop lourde, etc. Donc ça, c'est important de, de, le, de le prendre en compte. Et je, je, pas je crains, c'est que j'observe que cette approche qui est strictement, qui est commune, à la chiropratique, la physiothérapie ou l'ostéopathie dans les pays anglo-saxons qui est limitée à la partie musculo-squelettique, ben ça répond pas à toutes les demandes. Et c'est important qu'on puisse répondre aux demandes de personnes qui viennent nous voir. Là, on rentre dans un débat éthique et je ne suis pas le plus... Ce n'est pas, pas un domaine dans lequel je, 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 je connais grand-chose. Je suis membre aussi du General Osteopathic Council en Angleterre, donc j'ai les, les obligations d'un professionnel de santé. Et, et quand on a lu notre code de déontologie, on doit utiliser les données acquises de la science quand on prend en charge un patient. Donc c'est suffisamment large. Donc moi j'utilise les données acquises de la science pour la partie musculosquelettique, mais aussi pour la partie de médecine traditionnelle euh, indigène qui... qui est Très, c'est le travail, c'est vraiment le travail des anthropologues de terrain. Il y a beaucoup, beaucoup d'interviews, beaucoup de, de questionnaires qui permettent de comprendre, voilà, comment une autre personne euh, se sent par rapport à sa, à sa maladie. Mais là, on est plus dans la maladie il naît parce qu'on s'en fait tous les, mal tous les examens biologiques, tout va sortir normal. Et ça va être quelque chose que euh, la médecine occidentale, et, et dont les ostéopathes qui feraient que de l'EBP, bah dire bah, ⁇ je peux plus rien pour vous ⁇ et ça va être réadressé vers d'autres personnes. Donc on est en train de s'amputer d'un champ de compétences pour gagner en euh, légitimité, crédibilité scientifique. Moi, je n'ai pas forcément d'avis dessus parce que je comprends les deux logiques. Euh, mon rôle, moi, je, je suis dans mon cabinet, je rencontre à mes patients, on fait de la formation continue, on fait de la recherche, et donc on rencontre à, à... On, on informe, d'accord Nos décisionnaires. Et décisionnaires, c'est un peu compliqué en disant, voilà, on peut avoir de la reconnaissance, mais il faudra mettre certaines choses de côté aujourd'hui. Maintenant, si on commence à vraiment s'impliquer dans la recherche autre que strictement musculosquelettique, mais sur ce que nous on propose, sur qu'est-ce qu'ils perçoivent les patients pendant qu'on leur fait un traitement d'ostéopathie crânienne ou d'ostéopathie viscérale, comment est-ce qu'ils l'ont décrit Si là on arrive déjà à cadrer beaucoup plus, on va avoir un cadre éthique parce qu'il y a de la science. Je crois qu'on parle de science, on parle d'IRM fonctionnel. On peut regarder ce qui se passe hein, avant-après. Euh, il y a des questionnaires. Donc on peut créer d'autres types de sciences. Et qui sont inclus dans les sciences biomédicales, et on peut à proposer un cadre, un cadre éthique, et continuer à faire euh, ce qui a toujours été fait euh, en ostéopathie. Donc, encore une fois, il faut vraiment voir ça sur euh, l'évolution. Sur, il s'est passé plein de choses. L'ostéopathie a été créée avant le rapport Flexner, avant l'Evidence based practice. Euh, les, une notion qui est importante, c'est de savoir aussi que, on va dire que les trois quarts des publications Scientifiques en ostéopathie, elles sont faites par les Américains et les pays anglo-saxons qui ont leurs propres euh, contraintes, leurs propres euh, réglementations. Et nous, on en bénéficie, mais on bénéficie aussi de leur contexte qui est pas forcément applicable strictement en France. Donc, c'est pour ça que tous les avis, je reste je très neutre tout ça parce que tous les avis sont respectables. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de comprendre pourquoi la personne se met à penser euh, comme ça. Et peut-être pour conclure, c'est dire euh, quelque chose de très simple en fait. Quand on est à sa place, par définition, on prend la place de personne d'autre. Donc si on est capable d'expliquer ce que l'on fait en tant qu'ostéopathe, quel que soit le système de croyance euh, de nos patients, on est en plein dans l'evidence-based medicine. Et la science, moi qui ai été chercheur à temps plein, on, on, je sais faire la science. Euh, du modèle médical, en fait, hein, de la physiologie, l'IRM. Et je suis en train de travailler avec d'autres personnes qui font de la science aussi beaucoup plus qualitative, mais avec ces croyances socio-culturelles en santé issues des médecines traditionnelles, indigènes, qui voient leur corps de façon différente du modèle. Occidental. Donc on est dans d'autres systèmes épistémologiques de, de comment on, on différencie les sciences qui sont disponibles pour soigner un autre être humain. La science n'a pas prouvé l'existence du MRP. Faut-il continuer à pratiquer des techniques craniosacrées C'est une excellente question parce que ça, en, en France, c'est un rapport du cortex qui a été publié 2016 de mémoire. Et avec mon ami Francesco Ceritelli, on avait publié tous les deux un éditorial de Lightjob. Euh, en réponse à ce, à cette, à cette revue de littérature. Donc, il y a d'un point de vue méthodologique, c'est important aussi hein, la, la culture scientifique de comprendre, de pas se focaliser juste sur les résultats, mais de regarder qui le fait et quelle est la méthodologie. Donc, une revue systématique de la littérature, on va dire que quand on s'y connaît un petit peu en recherche scientifique, on peut orienter un petit peu. Le résultat en fonction des articles, des, des, des critères d'inclusion. Donc ça, c'était un point méthodologique qu'on avait euh, qu'on avait soulevé avec euh, Francesco, parce que sur ce modèle-là, euh, sur sur cette revue de littérature-là, ils n'ont pas inclus toutes les études qui sont faites, par exemple en, en Italie, sur la néonatologie euh, en, où il y a des, des, des techniques d'ostéopathie crânienne. Donc il y a toujours une volonté derrière. Donc je crois que de mémoire c'était des kinés qui étaient financés par l'ordre des kinés pour évaluer des techniques faites par des non-kinés. Donc mais ça a été c'était marqué noir sur blanc dans le conflit d'intérêts. Donc il n'y a aucun problème. Donc ce qui euh, M'inquiète plus, c'est pas que c'est kiné qu fait ce travail, c'est que les ostéopathes, depuis 2016, n'aient pas fait de droit de réponse. On est les seuls à avoir fait un droit de réponse qui soit publié. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des études aussi sur le, le néo, les études néo sur l'ostéopathie en soins intensifs en néonatologie, où on montre que ça réduit le temps d'hospitalisation et que ça réduit donc le coût de l'hospitalisation. De mémoire, c'était autour de 3 quatre mille euros. Donc, depuis, vous allez voir les directeurs d'hôpitaux euh, dire voilà, ces patients sortent plus vite, ça coûte moins cher. Et depuis, il y a plein d'ostéopathes qui vont dans les unités de soins intensifs en, en Italie. Donc, il y a aucun moment, ces personnes, que ce soit les médecins, que ce soit le, le, les, les cadres administratifs, n'ont demandé le modèle, en fait, c'est l'ostéopathie, c'est une intervention complexe, une intervention non pharmacologique, ça va être le terme générique. Donc dans ce, on, on, là, on est en train de réfléchir comme du médicament, c'est-à-dire un modèle linéaire de cause à effet. Je fais cette technique pour obtenir ça. Mais on travaille sur un être humain et on a vu. Que l'être humain, bah, la façon dont il va percevoir son corps, elle est largement influencée par l'éducation, par l'environnement, par le système de croyances socioculturelles en santé. Donc il y a des, le tout d'un point de vue éthique, c'est comment est-ce qu'on va faire pour euh, essayer de sélectionner ou de, de dire aux patients, bah ça, vous avez plus de chances, vous êtes un bon répondeur. On va pas le dire comme ça, mais il y a des patients qui répondent à l'ostéopathie, des patients qui répondent pas à l'ostéopathie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les patients qui répondent à l'ostéopathie, ils vont répondre à l'ostéopathie quelle que soit la technique. Quelle que soit la technique. C'est ce, qu ce, qu ce que donne la, ce, donnent les données scientifiques d'aujourd'hui. Donc il faut sortir un petit peu de, ce, de cette vision mécaniste en disant si on n'a pas de modèle, on ne peut pas faire d'études de, de, dessus. Et donc ça, puisqu'il n'y a pas de modèle, ça invalide tout le reste. Encore une fois, je suis très pragmatique. Il y a des patients, il y a des groupes de patients qui bénéficient de ces techniques et qui sont soulagés. Donc, il faut délimiter. Donc, plutôt que de, de parler d'ostéopathie crânienne en général, encore une fois, ça, c'est un dialogue de professionnels, d'ostéopathes ou de médecins. Moi, je préfère parler que de patients. Il y a des patients qui bénéficient de cette technique. Il faut bien le décrire. Et donc, voilà, parler d'ostéopathie crânienne en néonatologie, parler d'ostéopathie crânienne chez les personnes âgées qui peuvent pas être manipulées, bah, ça, c'est des choses que tout le monde est capable d'entendre. Euh, parce que quand on est confronté à ce type de, de patients, bah, c'est important d'avoir un large éventail de, de technique. Donc voilà un petit peu le, les, la réponse qu'on avait faite en fait dans cette dans cet éditorial. Un, c'est sur la méthodologie qui est orientée vers une vision bien particulière. Et donc j'encourage les ostéopathes qui nous regardent à peut-être il n'est jamais trop tard hein, de faire une revue de la littérature, mais qui va inclure d'autres choses et qui va se placer non pas sur un modèle scientifique. Euh, mécaniste de cause à effet, mais plus sur un modèle de pratique. Comme nous, on l'a on proposé avec le cadre conceptuel kinefine, c'est-à-dire il y a des patients à qui ça va faire sens de faire cette technique, il y a des patients ça va pas leur parler du tout. Donc on va s'adapter, on, on inclut ça plus sur comment est-ce qu'on a inclus ces techniques dans un système de croyances particulière pour des patients particuliers qui en qui en font la demande. La, la grosse le gros problème, c'est que Souvent, ça peut être mal interprété ou bah, on va dire, bah, je fais cette technique parce qu'il y a eu cet ostéopathe qui me l'a montré et donc euh, c ces arguments d'autorité. Ce n'est pas, pas comme ça que je vois, je vois les choses. Quand on est scientifique, par définition, on remet tout en question tout le temps. Le savoir, c'est quelque chose qui est continu et c'est ça l'avantage de l'evidence-based practice, c'est-à-dire qu'il y a des modèles qui nous ont, qui ont servi temporairement à transmettre des compétences professionnelles qu'on a aujourd'hui. Et il faut remercier tous ces anciens ostéopathes que tu as nommés, parce que s'ils n'avaient pas été là, on ne saurait même pas que ça existe. La seule chose, c'est que le contexte législatif a changé en France depuis 2014. Regardez la compétence 5, on parle, on, on nous oblige, comme tous les autres professionnels de santé, à tenir compte des données dont, euh, scientifiques actuelles pour informer notre pratique. Donc on est obligé de le faire. La réglementation a changé, l'enseignement a changé, les patients ont changé, les professionnels ont changé aussi. On te parlait beaucoup des réseaux sociaux. Moi, il n'y avait pas de réseaux sociaux quand je faisais mes études. Peut-être, probablement, que ça m'aurait influencé et que, voilà, quand on commence à travailler, on n'est pas sûr de ce qu'on perçoit. Il y a quelqu'un qui dit il faut percevoir ça. Mais en fait, il y a dix sur Facebook qui vont dire tu n'as pas le droit de le sentir parce que ce n'est pas prouvé par la science. Probablement que je n'aurais pas eu forcément la même, la même approche, le même, le même regard. Et donc, on doit aussi en tenir compte en tant que formateur, en tant qu'enseignant aujourd'hui en, en 2023. Donc, ça, c'est important. Donc, pour, pour, pour synthétiser, c'est vraiment toujours contextualiser et surtout se recentrer sur l'evidence-based practice et donc, et surtout sur le pilier quelles sont les attentes et les valeurs. Euh, des patients et à nous en tant qu'ostéopathe, avec le maximum d'outils disponibles, d'un point de vue éthique, de répondre à cette demande euh, spécifique de nos patients. Voilà, je vous avais dit que cette interview serait passionnant, inspirant, on a abordé des, des choses assez nouvelles. Donc j'espère que ça vous aura nourri en tant qu'ostéopathe. Je voudrais remercier du fond du cœur Raphaël pour son temps, pour cette interview de cette qualité, d'avoir intégré ce documentaire. Si vous avez des questions à poser à propos du documentaire ou de cette interview, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts. J'y répondrai. Raphaël pourra aussi y répondre. Le petit rituel, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Monsieur Clavicule, activez la petite cloche et on se retrouve très vite pour le sixième interview. On va un petit peu changer de registre, de thématique au sein de l'ostéopathie, mais vous allez voir, ça va être super intéressant. À très vite!